Philippe Méraud, je suis vice-président en charge du business développement et des partenariats stratégiques pour Evidence Bay. Et nous sommes ravis d'être présents pour cette finale des trophées internationaux du numérique. Alors Evidence Bay est une start-up de la EdTech qui conçoit, développe et déploie des modules d'apprentissage adaptatif de nouvelle génération qui sont centrés sur les apprentissages fondamentaux et destinés aux élèves et à leurs enseignants de l'enseignement primaire et secondaire en France et à l'international. Alors nous sommes Evidence Bay, Evidence-based, et nous appuyons sur trois domaines de recherche. Tout d'abord, les sciences cognitives qui s'intéressent à la façon dont le cerveau des enfants apprend. L'intelligence artificielle qui nous permet de proposer des parcours d'apprentissage individualisés à chacun des élèves en fonction de leur niveau et à leur rythme. Et enfin, l'UX et les interfaces pour maintenir la motivation intrinsèque des élèves et stimuler leur désir d'apprendre. Alors, nous sommes déjà présents à l'international. Nous avons bien évidemment démarré sur le marché français, mais d'ores et déjà, nous comptons des contrats en Italie, en Asie, à Singapour, et des projets très avancés en Arabie Saoudite et au Royaume-Uni, et puis beaucoup de développement dans plusieurs territoires en Europe et à l'international. Notre marché est celui des gouvernements, donc des ministères d'éducation et agences gouvernementales, mais aussi, dans un modèle B2B2C, celui des éditeurs scolaires qui intègrent nos modules à leur propre collection et les commercialisent ensemble. Nous serons présents aux rencontres au RIFT le 17 novembre prochain et je vous y donne rendez-vous. À très vite.